Ça y est, on a enfin trouvé une location pour les vacances de cet été. Je sais pas si je suis disponible. Tu l'es. Une famille, ça part groupée. Oh, grandiose. On est déjà toute l'année ensemble. Partez sans moi, ça me fera des vacances. Je crains que ce ne soit pas négociable. C'est réservé. Une grande maison dans le Luberon. C'est pas le rêve, ça? Un mas, avec une piscine. Un mas? C'est une maison plus chère et moins confortable. C'est adapté à la calme langueur d'un été au sud. Calme? T'as dit calme? Et les cigales? Faut aboyer pour couvrir leur hurlement. D'ailleurs, le Provençal parle pas, il aboie. Oh, Patrick, tu as vu ce que l'OM il a mis aux Parisiens? Mais non, là tu tombes dans le cliché. Mais la Provence en été, c'est un immense cliché, recréé de toutes pièces pour des gens comme vous. Fin juin, ils descendent ce pays fictif du grenier et ils le rangent en septembre. Oui, enfin le soleil, c'est pas eux qui l'inventent. Merci le soleil. Si je bronze, je me transforme en gros mélanome avec la marque de la couche. Que ce soit clair, je passe un mois à la cave. Ça va leur faire bizarre, aux Lefèvres. Les Lefèvres vont passer? Oh non! Pas les grandes tablées débordantes d'amis en sueur! Bah, ça te gênera pas puisque tu seras à la cave avec ton quignon de pain. Frotté d'ail et de farigoulette. Pour vous, le bonheur, c'est de picoler du rosé acide à moitié à poil. Eh ben pour moi, l'enfer, c'est de traîner en troupeau dans des villages médiévaux grouillants qui empestent la boutique de savon. Oh, s'il vous plaît, trouvez-moi une colo en Pologne. Tu parles fort comme un personnage de Pagnol, mais comme eux, tu as bon cœur au fond. Allez, le minot, un sourire là, vas-y. On n'est pas encore parti. Check, baby, check, baby, check, baby, check, baby, check. One, two, three, four. Quoi? C'est pas une menace. C'est juste que, me connaissant, je risque d'être un poil contrarié. Sans doute légèrement irritable. Voire franchement infernal. Ça ressemble vaguement à un début de chantage. Mais non, c'est une hypothèse fantaisiste. Mais pourquoi tu te braques? C'est une région culturelle, il y a plein de festivals l'été. Ah ouais? Comme quoi, par exemple? Il y a la foire au Pistou de Saint-Martin-les-Eaux. Et le Festival d'Avignon, t'as déjà entendu parler? Voilà, si tu veux, c'est toi qui fais le programme. Ouais, allez, vendu. Génial! Je vais le dire à Carole. Attends, passe-moi l'ordi. Je vais envoyer un mail aux grands-parents pour les prévenir. Tu sais que t'es mignon, toi, quand tu veux. Oui, faut le dire vite. Alors là, vraiment, je suis confus. Une bête erreur de manipulation. Ouais. Comme d'hab, on peut rien prouver. Quoi? Vous vouliez voir du monde ou pas? T'as proposé à tout notre carnet d'adresses de passer nous voir. On a déjà 23 réponses enthousiastes. On peut plus leur dire non, là, c'est... Ah, mais s'il faut servir 15 couverts par jour, c'est plus des vacances, là. Oh, c'est ballot, hein. Allez, on annule le Luberon. Les vols pour New York sont à prix cassé en ce moment. Oh, ça va, faites pas la tête, vous pourrez toujours vous faire servir une anisette dans l'avion.